Bonjour à tous et à toutes, c'est Volt et bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan pour une toute nouvelle vidéo commentée par moi-même. Aujourd'hui, je vais m'attarder et tenter de vous décrire dans les moindres détails ce magnifique gameplay qui nous a tout simplement été réalisé par notre player Obscure Stefano. C'est donc un tout nouveau player, je vous invite donc à lui souhaiter la bienvenue dans l'espace des commentaires. Il est possesseur de nombreux gameplays impressionnants, attendez-vous donc à voir de gros gameplays dans les jours à venir. Il a tout simplement réussi à nous réaliser une nucléaire uniquement en tire-tête. Seules peu de personnes en France ou même dans le monde ont les capacités et sont aptes à nous réaliser de telles performances. C'est pour cela que je vous recommande d'aller vous intéresser à la chaîne du player se trouvant bien évidemment en description. Il est maintenant l'heure de vous décrire plus précisément le gameplay que vous avez sous les yeux. Comme vous pouvez le remarquer, le joueur était accompagné de la Sheva, réputée pour sa précision et ses dégâts. C'est probablement l'arme la plus adéquate pour nous réaliser des gameplays demandant autant de précision. Les accessoires utilisés dans le gameplay ne sont autres que le viseur Halo et bien évidemment le gros calibre, permettant d'accroître les dégâts causés dans le haut du corps. Ce qui m'a agréablement surpris dans ce gameplay, c'est qu'il ne s'est pas contenté de la facilité. En effet, laissez-moi m'expliquer. Là où de simples joueurs auraient profité de leur spécialiste pour éliminer normalement des ennemis, notre joueur lui a tenu son pari jusqu'au bout et a réalisé l'intégralité des kills avec sa faux en tire-tête. Une map de petite taille a donc été choisie et c'est pour cela que le gameplay se déroule donc sur la fameuse map Nuketown, facilitant ainsi le contrôle des spawns. Bien évidemment, pour ne pas avoir de soucis au niveau du temps, le gameplay a donc été réalisé en mode domination et en groupe de 6, lui permettant donc une escorte facilitant ainsi l'obtention de la nucléaire. Penchons-nous maintenant sur l'aspect technique et tactique de ce gameplay. Pour ce qui est de la stratégie employée, le joueur s'est tout simplement infiltré dans le camp adverse avec l'aide précieuse de son équipe permettant ainsi une maîtrise totale de l'équipe adverse. Pour réaliser de telles performances, il faut faire preuve d'un sang-froid et d'une maîtrise de soi-même impressionnante pour rester toujours précis et régulier dans chacun de ses tirs. Car une erreur de précision et cette tentative aurait tout simplement échoué. Voilà, cette courte vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne du player et le récompenser en vous abonnant pour cette performance exceptionnelle. Je vous invite également à aller faire un tour sur ma chaîne, je suis également un tout nouveau commentateur sur la chaîne de la Obscure Clan. Je n'ai plus qu'à vous dire de liker, commenter, partager et bien évidemment vous abonner si cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Vol pour la Obscure Clan. Ciao.